Ah, 奉耶稣圣名说话。Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je parle. 啊，感谢主哦。我们现在继续来查考这个但以理书。Nous rendons grâce à Dieu, nous allons continuer d'étudier ensemble le livre de Daniel. 啊，我们都知道啊，神一直在带领这个但以理跟他三啊，他这个三个朋友。Nous savons que Dieu continuellement accompagnait Daniel et ses trois compagnons. 啊，神这样来带领他们，是因为他们啊立志哦啊不得罪神。Et Dieu les accompagnait parce qu'ils se sont résolus à ne pas offenser Dieu. 啊，我们知道说他们在这个巴比伦国，啊，我们说在一个异邦之地哈，外国哈，要啊。要信心站立得住啊，的确是一件不简单的事情。Et nous savons que en terre païenne, en terre étrangère, il est difficile de tenir ferme sa croyance. 啊，因为他们碰到许多的这个挑战啊，跟考验。Car ils ont dû faire face à beaucoup de défis et à beaucoup d'épreuves. 好，我们知道说，好像看起来第一章啊，他们。度过这个我们说这个困难期啊。Et dans le chapitre 1, nous avons vu qu'ils ont traversé cette période difficile. 啊，那我发现说，哎，很奇妙的哈，这个怎么说？哎，这个考验又突然又来了。Et on s'aperçoit que c'est étonnant. À nouveau, il doit faire face à une nouvelle épreuve. 啊，因为在第二章里头呢，这里谈到说。啊，这个尼布加尼撒王做了一个梦。Car au chapitre 2, on voit que le roi Nebuchadnezzar a fait un rêve. 啊，当然了，他心里很烦闷啊，所以就要找他那些术士来替他解梦。Et son esprit fut troublé, alors il fit appeler des magiciens pour interpréter ses rêves. 啊，那小弟所要讲的是说，这个考验是很突然的哦。啊，没有怎么说，没有可能当时他们是没有意料到的。Et donc, ce que je souhaite vous dire, c'est qu'à l'époque, cette épreuve était vraiment très soudaine et ils ne l'avaient pas rencontrée avant. 啊，我们发现到说这样的考验哦，其实是接踵而来的，是不断的。Et on voit que les épreuves apparaissent sans cesse. 啊，那你到第三章，我们发觉到时候又有考验来了。Car au chapitre 3, on voit qu'il y a à nouveau une épreuve. 啊，那我们如果看但以理的话，他在这个波斯国的时候，他也受到很大的考验。Et on voit aussi que Daniel, à l'époque des Perses, avait aussi dû faire face à de grandes épreuves. 啊，那可贵的地方，就是他们都能够靠神一一的胜过。Et ce qui est précieux, c'est qu'ils pouvaient sans cesse s'appuyer sur Dieu pour surpasser tout cela. 那这告诉我们说，我们今天能够胜过，比如说试探，不表示说明天就不会碰到试探。Et donc cela signifie que si aujourd'hui on arrive à surmonter les tentations, cela ne signifie pas que demain nous n'arriverons pas à, nous n'aurons pas d'autres tentations. 啊，我们今天能够靠主来胜过种种的挑战，那不表示说我们明天就能够胜过。Et donc si aujourd'hui on arrive en s'appuyant sur Dieu à surmonter des épreuves, cela ne signifie pas que demain on va arriver à le faire. 啊，其实他们所经历的就是要告诉我们说，我们每一天都要抓住神，要不断的来依靠神。Et donc ce qu'ils ont traversé nous apprend que chaque jour nous devons nous accrocher à Dieu pour nous rapprocher de lui. 啊，那我们什么时候不依靠神，那就可能是，那个时候我们就会失败的。Et c'est au moment où nous ne nous appuyons pas sur Dieu que nous chutons. 啊，所以我们说他们能够得胜，是因为他们无时无刻都在靠主。Et on voit ici qu'ils sont victorieux parce qu'en tout temps ils s'appuient sur Dieu. 啊，他们不愿意来得罪神。Ils ne veulent pas offenser Dieu. 啊，他们非常看重自己的信仰。Et ils accordent une grande importance à leur propre croyance. 啊，他们专一的来敬拜神，来依靠神。Et donc, ils font tout pour
s'appuyer sur Dieu et s'attacher à leur croyance. On peut dire que c'est leur secret de victoire. Et on voit ici le secret de leur victoire. 好, 我们先来分段一下, 第二章, Donc, on va d'abord diviser en plusieurs parties. 那第二章, 我们可以分为四大段. On peut séparer le chapitre 2 en quatre parties. 我们可以说第一节到第十三节是第一段. Et donc, la première partie va du verset 1 au verset 11. 这里谈到说这个王啊，他做了一个梦，他要这些所谓的他国家里头的智慧人来替他解梦。 Et donc, on voit ici que le roi a fait un rêve et il souhaite que tous les magiciens donc, de son royaume puissent interpréter son rêve. 但是他们却不能够替王来讲解他所梦见的是什么东西。 Mais n'ont pas pu expliquer le contenu du rêve du roi. 那第二段呢, 从14节到这个23节, Et donc la deuxième partie va du verset 14 au verset 23. 那这重点是放在说, 神啊, 启示这个但以理有关这个梦的意思跟梦的内容。 Et donc l'accent est mis sur le fait que Dieu a révélé à Daniel le contenu et l'explication de ce rêve. 好，那第三大段是从24节到45节。 Et la troisième partie va du verset 24 au verset 45. 这整段呢，是在讲有关这个梦的内容，那个但以理能够一一的把它讲出来，因为神让他知道这个梦是在说什么，是什么梦。 Et donc, c'est dans ce passage, on parle du contenu de ce rêve et de toute l'explication que Dieu a permis à Daniel de révéler. 同时还能够替王来解梦。 Et il pouvait aussi expliquer ce rêve. 那第四段呢，就是46节开始到49节。 Et donc, la quatrième partie va du verset 46 au verset 49. 那这里谈到说，这个王，尼布甲尼撒王。 对但以理所拜的神呢，就有了更进一步的认识。On voit ici que le roi Nebuchadnezzar a une connaissance plus profonde du Dieu que Daniel vénère. 好，我们来看这个第二章的47节。On va lire ensemble le chapitre 2, verset 47. 二章的47节。Chapitre 2, verset 47. 王对但以理说。 你既能显明这奥秘的事，你们的神诚然是万神之神、万王之主，又是显明奥秘事的。 Le roi adressa la parole à Daniel et dit: En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les mystères, puisque tu as pu découvrir ce mystère. 所以在这个整个解梦过后呢？ 神得到最大的荣耀。 Et donc dans toute cette interprétation des rêves, Dieu a été glorifié. 因为连一个外邦王，当时最强盛的国家的王，也承认说，但以理的神是万神之神。 Car un roi païen, donc d'une terre étrangère, a pu reconnaître que le Dieu de Daniel était le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. 让我们说，但以理靠着神把神完全的显明出来。 Daniel, donc en s'appuyant sur Dieu, a pu manifester Dieu. 好，我们现在先来看这个第一段。 On va d'abord regarder la première partie. 那我们有一些，我们说，在 怎么说，比较版本之间比较不一样的地方的这些经文呢，我们先来讲一讲。 Donc, on va parler déjà du texte originaire par rapport à cette partie. 好，我们如果是看中文的话，我们是说的王他做梦之后，他就忘了他所做的梦。
Si on regarde la version chinoise, on voit que le roi, une fois qu'il a fait ce rêve, il l'a oublié. 好, 我们如果从这个第五节看, 哦, Si on regarde à partir du verset 5, 啊, 他说, 王回答加勒底人说, 梦我已经忘了, 那其实呢, 有其他的, 译本是说, 我已定命。 Ici, on nous dit que le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, dans la version chinoise, ils disent que, qu'il l'a oublié, et dans d'autres versions, ils disent que voilà ce que j'ai décidé. 啊, 那这个跟第八节, 哦, 是一样的, 相似的。 Et donc cela, est similaire à ce qui est écrit au verset 8. 啊, 那就是说他已经定义, 啊, 给我们的感觉, 我们在念的时候, 就, 我就是不要告诉你啊。 Donc, autrement dit, il a décidé qu'il n'allait pas faire connaître le rêve. 啊, 那既然不要告诉他们, 就是说要他们去想办法, 去知道王到底做了什么梦。 Et si donc il ne voulait pas leur faire connaître ce rêve, il voulait leur laisser le moyen de chercher à connaître ce rêve. 我想说这是这个跟英文版不同的一个地方。 Et je pense que c'est différent de la version anglaise. 因为在中文是说他忘了这一个梦，他忘记了。 Car dans la version chinoise, on dit qu'il a oublié ce rêve. 那其从其他的版本就是说他就是不说出来了，他就定义，一定要他所谓的这些哲士和这些智慧人自己去想办法来知道王到底做了什么梦。 Et dans d'autres versions, il est écrit qu'il avait décidé de ne pas en parler et de laisser les sages et les magiciens trouver et chercher à connaître ce rêve. 好，那我也顺顺顺顺道讲一讲哦。从第二章四节开始呢，其实这到第七章的二十八节，这一段的圣经是用亚兰文写的。 Et donc, du chapitre 2, verset 4, jusqu'au chapitre 7, verset 28, tout ce passage est en texte dans la langue des Chaldéens. 那这个你去查考就可以得到一些的资料，他就会告诉你。 Donc, si on fait des recherches, on peut obtenir ces informations. 好，那我们现在就来看这个第一段。 Donc, on va maintenant regarder la première partie. 我们如果是根据这个，我们说以英文版来讲的话， Donc, si on s'appuie sur la version anglaise. 那如果是王明明是知道这个梦的内容，但是却不要告诉他的这些哲士，那用意在哪里？ Donc, si le roi connaissait le rêve, le contenu du rêve, mais s'il ne le voulait pas que ses sages le connaissent, quel était le sens de cela? 好，那我们从这些站在王面前的这些大臣哦，这些有智慧人的这个回答当中，可能就会怎么说了解到当时这个王的心意是什么。 Et à partir donc, des réponses qui sont données par les sages de cette époque, on peut voir quelle était l'intention du roi. 好，我们来看第十节。 On va lire ensemble le verset 10. 我们看一章的这个十节。 On va lire le chapitre 2, verset 10. 那加勒底人在王面前回答说， 世上没有人能将王所问的事说出来， 因为没有君王、大臣掌权的，像术士或用法术的，或加勒底人问过这样的事。 Les Chaldéens répondirent au roi, « Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. C'est pourquoi aucun roi, grand et puissant, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. » 从他们的回答当中，我们了解到说， 在他们的观念当中啊， 怎么说有史以来 没有王这样要求过的。 À partir de leur réponse, nous voyons que une telle chose n'a jamais été demandée par aucun roi. 那为什么这个王要这样来做呢？ Et donc pourquoi ce roi a eu cette volonté de faire cela?
我们说第一章啊，他在怎么说，在检测他们的智慧，在考他们这些智慧人到底有多学了，有多少，有多大的智慧。Donc au chapitre 1, on voit à quel point il voulait les mettre à l'épreuve pour savoir s'ils avaient de la sagesse. 啊，那在第二章里头哦，这个王的这一个怎么说？这样的一个动作，其实就是要去发掘到底谁的身上有神灵跟他们同在。Et au chapitre 2, on voit que le roi voulait les mettre à l'épreuve pour savoir qui avait sur lui l'esprit de Dieu. 好，我们来看十一节。On va lire le verset 11. 我们看二章的十一节。Lisons le chapitre 2, verset 11. 王所问的事甚难，除了不与世人同居的神明，没有人在王面前能说出来。Ce que le roi demande est difficile, il n'y a personne d'autre qui puisse le dire au roi, sinon les dieux dont la demeure n'est pas parmi les êtres charnels. 所以这个是他好像要在发觉说谁的身上啊，有这神啊跟他们特别同在的。Et il voulait donc savoir sur qui Dieu était réellement présent. 好，我们知道说，从这个王的这个命令哈，还有他所讲的话里头，让我们知道说，这个王尼布加尼撒王是蛮不讲理的人。À partir donc de l'ordre du roi et de ses paroles, on voit que le roi Nebuchadnezzar n'était pas un roi raisonnable. 因为如果人不能够把他的梦讲出来呀，他就会把他们通通都杀掉。Car si l'homme ne pouvait pas expliquer son rêve, alors il les mettait à mort. 你发现说这个王帝也不讲理呀。Donc on voit ici que ce roi n'est pas raisonnable. 好，我们看刚才我们所念过的这个第五节。Nous avons lu tout à l'heure le verset 5. 那他后半段这样说：你们若不将这梦和梦的讲解告诉我，我就必被凌迟，你们的房屋必成为粪堆。Voilà ce que j'ai décidé. Si vous ne me faites pas connaître le rêve et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. 那给我们一个感觉说哈，这个王呢，他现在所看重的人呢，不是光光有知识智慧而已。On a l'impression ici que le roi n'accorde pas uniquement de l'importance à des personnes qui ont de la sagesse. 这更重要的，他要知道说，这人呢，这些人当中到底有没有神灵跟他们同在。Mais il veut savoir si parmi ces gens, est-ce qu'il y a Dieu qui est parmi eux？ 后来当然这些哲士一直在跟这个王帝来解释说，他们没有办法这样做。Et ces sages ont tenté d'expliquer au roi qu'ils ne pouvaient pas faire cela. 但是你发现说这个王帝啊，就好像责怪他们哦，说你们预备了谎言乱语，向我说要等候时事改变。第九节，我们可以看第九节。On voit ici que le roi leur adressait des reproches en disant qu'ils étaient prêts à dire des paroles mensongères et erronées en attendant que les temps soient changés. 所以王帝的要求就是说，现在你就要把这个梦告诉我。Et donc le roi voulait que tout de suite ce rêve soit expliqué. 所以这样看起来他其实是那个梦他是没有忘记的。Et à partir de cela, on voit tout de suite que le roi n'avait pas oublié ce rêve. 而且其实在第一节里头，我们也可以察觉到说，其实他并没有忘记这个梦，因为他心里烦躁。Et au verset 1, on voit aussi que le roi n'avait pas oublié ce rêve, car son esprit était troublé. 他一定是被这个梦的，他做了这个梦之后，让他觉得心很不安。Et en faisant ce rêve, une fois qu'il a fait ce rêve, son cœur n'était pas en paix. 好，那但是呢，这个王帝就是一定要要求这些人来替他解梦。
Mais le roi demandait à ce que l'on lui explique ce rêve. 好，我们现在看到十二节哈。Maintenant, regardons le verset 12. 啊，因此王气愤愤地大发烈怒，吩咐灭绝巴比伦所有的哲士。Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna de faire périr tous les sages de Babylone. 啊，这里呢，他下令哦，要把所有的这些智慧人都杀掉。Ici, il a fait donner cet ordre de faire périr tous les sages de Babylone. 啊，这十三节说，于是命令发出，已经发出去了。Et au verset 13, on nous dit que la sentence fut publiée. 啊，则是将要见善，就是说将要被杀了。Les sages allaient être mis à mort, autrement dit, ils allaient être tués. 好，那人就寻找但以理和他的同伴，要杀他们。Et on cherche à Daniel et ses compagnons pour les faire mettre à mort. 啊，他们连但以理啊，跟他的三个朋友啊，也要把他们杀掉。Donc même Daniel et ses compagnons, ils voulaient les faire mourir. 啊，我们可能会有这样的一个疑问哈。Et on peut avoir ce questionnement. 啊，当王在问有关谁能够把他的梦讲出来的时候，看起来。但以理跟他的三个朋友好像不在场。On a l'impression qu'au moment où le roi a demandé à ce qu'on lui explique son rêve, Daniel et ses compagnons n'étaient pas présents. 啊，当然你在看这个但以理书的时候哦，哎，其实那个但以理每次都不在场的。Et on, lorsque l'on lit le livre de Daniel, on voit qu'à chaque fois Daniel n'était pas présent. 啊，你比如说看到第四章。Par exemple, lorsque l'on voit le chapitre 4, 啊，这里哦，这个是尼布加尼撒王的第二个梦。Il s'agit ici du deuxième rêve du roi Nebuchadnezzar. 啊，当时呢，他是那个尼布加尼撒王是找了所有的这些术士啊、哲士来解释他的梦，他们却不能够。Il avait fait appel à tous les magiciens et les sages pour expliquer son rêve, mais personne n'a pu le faire. 啊，那最后呢，他就找了这个但以理啊。那我们看第七节、第八节就清楚了。Et à la fin, il a fait appel à Daniel. On le voit clairement au verset 7 et au verset 8. 啊，那时候他才请这个但以理来替他解梦。C'est à ce moment-là qu'il a fait appel à Daniel pour lui expliquer son rêve. 啊，那我们发觉到说，在这个波沙撒当王的时候，就是第五章哈。Et on voit qu'à l'époque du roi Belshazzar, au chapitre 5, 啊，那这个神的手指啊，在墙壁上来写字。Le doigt de Dieu a écrit sur le mur. 啊，当时这个什么，这个但以理也是不在场的。Et à ce moment-là, Daniel n'était pas non plus présent. 啊，当然在第五章好像看起来他被遗忘掉了。On a même l'impression qu'au chapitre 5, qu'il a été oublié. 啊，但是后来这个王后想起了但以理啊，所以就才把他招出来。Mais c'est la reine qui s'est rappelée de Daniel et qui l'a fait appeler. 啊，那所以从这样的一个这样的描写当中哈、啊，让我们知道说，当时这个但以理跟他的三个朋友，他们是不竞争的。Et donc, d'après cette description, on voit qu'à l'époque, Daniel et ses compagnons n'étaient pas compétitifs. Ils avaient une sagesse 10 fois supérieure à celle des autres. Et dans le Et au chapitre 1, on a pu voir que Dieu a donné à Daniel une sagesse bien supérieure pour pouvoir expliquer les rêves et les visions. 啊，但是他们没有这种要表现自己，好像要让人知道说他们很特殊的。Mais ils n'avaient pas cette intention de montrer qu'ils étaient supérieurs aux autres. 啊，从这几处的记载，就让我们知道说，其实。他们常常都是保持一个非常谦卑的心。Et à partir de tout cela, on voit que,
En tout temps, ils gardaient en eux un cœur humble. Ils ne faisaient pas la compétition avec les autres. Ils ne voulaient pas se montrer aux autres. On peut voir que cela vient de leur propre cœur. On voit au chapitre 2 qu'ils sont allés chercher Daniel et ses compagnons pour les faire mettre à mort. Et maintenant, nous rentrons dans la deuxième partie. Lisons du verset 14 au verset 23. On va essayer de dire que ce sera mingling et d'infatoule. Et donc, il faut se rappeler qu'à ce moment-là, l'ordre était déjà publié. Et tous ces sages devaient être mis à mort. Il n'y avait rien à débattre, car le roi avait décidé de les mettre à mort. Et on voit qu'au chapitre 1, le roi ne voulait pas gaspiller du temps. Et il leur a dit, vous voulez que traîner dans le temps. Mais lorsque l'on rentre dans la deuxième partie, on voit qu'il y a quelque chose d'étonnant. Lisons le verset 14. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arioch, chef du garde du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arioch, commandant du roi, « Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère ?» Arioch exposa la chose à Daniel. On peut se dire, maintenant que l'ordre a été publié, comment se fait-il qu'il y ait encore lieu à débattre? Ici, en verset 14, on voit que Daniel s'est adressé à Arioch, le chef des gardes du roi, d'une manière prudente et sensée. Et ce qui est étonnant, c'est qu'au moment où il a posé la question, ce commandant du roi lui a aussi répondu. Nous, on dit qu'il s'agit d'une transgression de l'ordre du roi. Car Daniel et ses compagnons doivent être mis à mort, pourquoi doit-on encore parler? On voit que même dans ce moment extrêmement difficile, plein de dangers, Dieu a ouvert un chemin pour Daniel et ses compagnons. Car Dieu les aime. Par conséquent, ils ont reçu la protection de Dieu. Et on dit qu'il s'agit de la première étape. Et après avoir franchi la première étape, il doit franchir la deuxième. C'est-à-dire qu'il faut qu'il supplie le roi. Lisons ensemble le verset 16. Ici, il dit, « Daniel,
Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder un délai pour donner au roi l'explication. Donc, dans la première partie, les sages voulaient aussi supplier le roi pour qu'il puisse leur ouvrir un chemin parce qu'ils étaient face à une chose impossible. 他们求了两次王都不听. Et après avoir supplié le roi deux fois, le roi ne les a pas écoutés. 而且惹了王的愤怒, 这王要就要把他们杀了. Et même cela a rendu le roi en colère qui voulait les mettre à mort. 但是我们发现到说他跟王丹尼里到王面前求情的时候王却听丹尼里啊。 Mais on voit ici que lorsque Daniel se rendit auprès du roi et qu'il lui l'a supplié, le roi lui a accordé, l'a écouté. 你给我一点时间啊。 Et donc il lui a demandé un délai supplémentaire. 这里不是说王你把梦告诉我，他说你给我一点时间呢，我去想办法。 Donc il n'a pas dit qu'il ne peut-il 重复讲吗? 谢谢。 我去想办法，你给我时间呢。 Donc il lui a demandé un délai pour avoir davantage de temps pour pouvoir solutionner le problème. 但是王就听了。 Et le roi l'a écouté. 神又在开路。 Et Dieu a ouvert le chemin. 所以让我们知道说，那因为他们是敬畏神的，所以神一直替他们开路。 Et on voit que c'est parce que sans cesse ils craignaient Dieu, alors Dieu sans cesse leur ouvrait le chemin. 这其实也告诉我们一件一个很重要的道理。 Et cela nous apprend un enseignement très important. 我们信仰的生活会碰到很多的困难。 Dans notre vie de croyants, nous allons rencontrer beaucoup de difficultés. 很多的挑战。 Beaucoup de défis. 很多时候不是靠着我们的力量能够解决的。 Et de nombreuses fois, ce n'est pas en s'appuyant sur soi-même qu'on pourra résoudre le problème. 我们一定要靠神才能够克服我们说种种的困难。 Mais c'est en s'appuyant sur Dieu qu'on pourra faire face à toutes sortes de problèmes. 但是我们要怎么样才让神帮助我们，好像他帮助但以理跟他的三个朋友一样呢？ Mais que devons-nous faire pour que Dieu puisse nous aider comme il a aidé Daniel et ses trois compagnons? 首先，我们刚才我们的之前所查考过的，就是一定要敬畏神。 Et premièrement, après ce que nous avons étudié, nous devons premièrement craindre Dieu. 其实有敬畏神的心呢，其他的事情我们不必太担忧。 En réalité, si on a la crainte de Dieu en nous, alors on ne doit pas se soucier des autres choses. 因为我们在做每一件事情的时候, 神一定会指教我们当行的道路。 Car dans chaque chose, Dieu va pouvoir nous montrer le chemin. 在困难当中, 神一定会替我们开路。 Et dans nos difficultés, Dieu va certainement nous ouvrir le chemin. 现在问题是什么呢? Et dans ce cas-là, quel est le problème? 问题不是我们所碰到的问题。 Le problème, ce n'est pas le problème auquel on doit faire face. 问题是说我们在平时的生活当中有没有一颗敬畏神的心。 Mais le problème, c'est de savoir si dans notre vie quotidienne, nous avons cette crainte de Dieu. 那如果有的话, 神一定会带领,那我们就不用担心了。 Car si nous avons cette crainte de Dieu, alors nous n'avons pas à nous soucier, car Dieu va guider. 我们相信说神一定会开路，一定会指引。 Et nous croyons que Dieu va certainement ouvrir le chemin et va guider. 好，那过后呢，他就回去哈，但以理就回去跟他的三个朋友来商量，来商讨。 Ensuite, Daniel donc est retourné vers ses compagnons pour leur faire connaître cette affaire. 把他所 碰到的事情都告诉了他们。 Et donc il leur a partagé tout ce qu'il avait rencontré.
我们看十八节哈，它主要的用意呢是要他们祈求天上的神，施怜悯，将这奥秘的事指明，免得但以理和他的同伴与巴比伦其余的哲士一同灭亡。Et au verset 18, on voit qu'il a fait cela pour implorer la compassion du Dieu des cieux au sujet de ce mystère, afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. 当然我们说这是一个很大的考验，他们的生命呢，碰到很大的危险。Et on voit ici qu'il s'agit d'une grande épreuve, car leur vie, était en péril. 所以他但以理第一件事情，在这里就是去找他的朋友，告诉他们说我们要一起来求告神。La première chose que Daniel a faite, c'est qu'il est allé voir ses trois compagnons pour leur demander d'implorer ensemble Dieu. 求神来施恩啊，怜悯啊。Pour demander à Dieu, la compassion. 这样呢，他们才不会跟这些巴比伦的这些哲士一同灭亡。Ainsi, ils ne périront pas comme les sages de Babylone. 我们会觉得说，在困难的时候，能够有这样的能够跟所谓的这个同工啊，这个同伴一起来去面对困难，这是一个什么？一个很难得的一个经历了。Donc, pendant les temps d'épreuve, avoir des compagnons avec qui on peut faire face à ces épreuves, c'est vraiment quelque chose de très rare. 很多时候我们面对困难的时候都需要同伴一起来祷告。Car la plupart du temps, lorsque nous rencontrons des épreuves, nous avons besoin de compagnons pour prier avec nous. 我们做教会圣工的更是如此。Et encore plus lorsque nous faisons la sainte œuvre au sein de l'Église. 我们知道说我们在服侍神的时候一定会面对很大的阻力，很多时候这个阻碍的力量是来自于撒旦。Nous savons que lorsque nous œuvrons pour Dieu, nous rencontrons des obstacles qui viennent de Satan. 那我们要胜过撒旦，要识破撒旦的诡计，我们大家都必须要一起同心来祈求神。Et pour vaincre Satan et tous ses pièges, il faut que tous ensemble nous implorons Dieu. 我们说这样，我们才不会掉入这个魔鬼的网罗当中。Et c'est ainsi que l'on ne tombera pas dans les filets de Satan. 所以这个是很重要的一件事情。Et cela, c'est une chose très importante. 我们在教会里头，我们当工人的，我们的教会的这些所谓的同工啊，我们要建立这个什么，叫这个，要有这个手足之情啊。手足之情。就是brotherlyhood。Au sein de l'Église, lorsque les compagnons d'œuvre œuvrent ensemble, il faut qu'il y ait ce lien fraternel. 那就是说，在我们的服侍，他真的要把对方看成是我们的弟兄，或者看成是我们的姐妹一样，亲弟兄、亲姐妹。Lorsque nous œuvrons, nous devons réellement considérer notre frère et notre sœur comme notre propre frère et notre propre sœur.这样我们要为教会的事情来祷告，神才会同心，神才会回听。C'est ainsi que lorsque nous prions pour les choses de l'Église, alors Dieu exaucera. 那小弟在想说，如果他们跑在一起祷告，但是却是不同心的，那神会垂听吗？Et moi, je me dis, ils prient ensemble, mais que dans leur cœur, ils ne sont pas unis, alors dans ce cas-là, est-ce que Dieu va les exaucer? Je pense que Dieu ne les écoutera pas. Et donc, il en est de même pour nous. Il est correct de prier pour les affaires de l'Église. Mais le plus important, c'est d'avoir un cœur qui soit correct. 我们不可以把自己的
弟兄姐妹，我们 的同工看成是敌人一样。Il ne faut pas considérer nos compagnons d'œuvre, nos frères et sœurs, comme étant des ennemis. 那大家都要朝着这个同心的这个方向来去努力。Et il faut que chacun s'efforce de rechercher cette unité. 这样神一定会把这些 他的这个旨意来向我们显明。Et c'est ainsi que Dieu va manifester sa volonté envers nous. 我们知道说这个但以理他比他的三个朋友更有智慧。Nous savons que Daniel avait encore plus de sagesse que ses trois compagnons. 因为圣经也有说这个但以理他是明白异梦异象等等的。Car la Bible nous dit que Daniel comprenait les visions et les rêves. 我们来看这个第一章的十七节。On va lire ensemble le chapitre 1, verset 17. 我们看这个但以理书的一章十七节。Lisons ensemble Daniel, chapitre 1, verset 17. 那这四个少年人，神在各样文字学问上赐给他们聪明知识，但以理又明白各样的异象和梦兆。Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, du discernement dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les rêves. 但是但以理还是寻求合一的祷告，就是说跟他的三个朋友一起来祷告，祈求神显明他的旨意。Mais Daniel demandait aussi à ses trois compagnons d'implorer Dieu ensemble pour pouvoir rechercher la volonté de Dieu. 我们看起来说，他们祷告他神就垂听了。Et on voit ici que Dieu a écouté leur prière. 我们来看第二章的第十九节。Lisons le chapitre 2, verset 19. 二章的十九节。Chapitre 2, verset 19. 这奥秘的事就在夜间异象中给但以理显明，但以理便称颂天上的神。Alors le mystère fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. 但以理能够得到这个神的启示Et donc si Daniel a pu obtenir la révélation de Dieu, 我们说是因为他们同心合意来向神祈求祷告。On dit que c'est parce qu'ils ont prié ensemble d'un seul cœur et d'une seule âme. 这并没有让但以理觉得说他比他的三个朋友更特殊。Donc on voit que Daniel n'est pas différent de ses trois compagnons. 因为我们在讲第一章的时候有谈到这个观念，就是二章的三十节。Car dans la première partie, on voit dans le chapitre 2, verset 30. 这是但以理的心态。On voit ici l'état d'esprit de Daniel. 虽然是显明给他知道，但是他知道说，并不是要让他觉得说他比其他人更有智慧啊。Donc même si ce mystère lui a été révélé, ce n'était pas pour qu'il se considère comme ayant une sagesse supérieure aux autres. 神这样向他显明呢，是有神的这个旨意在当中的。Et si Dieu veut révéler cela à Daniel, c'est parce qu'il a dans cela sa volonté. 我们发现到说，这个年轻人他心态非常的正确。Et on voit ici que ce jeune homme avait réellement un état d'esprit correct. 难怪神要给他这么大的智慧。Et c'est la raison par laquelle Dieu lui a donné une si grande sagesse. 所以我们在查考后半段的时候，就是我们说但以理书的可以分为两大段，在查考第二段的时候，神说他是大蒙眷爱的人。Et donc, lorsque l'on étudie la deuxième grande partie de Daniel, parce qu'il y a deux grandes parties dans le livre de Daniel, on voit que dans cette deuxième grande partie, Dieu considère Daniel comme étant un bien-aimé. 所以神很爱他。Car Dieu l'aime beaucoup. 好，我们现在来看二章的二十节。Lisons maintenant le chapitre 2, verset 20.
啊，但以理说，神的名是应当称颂的，从亘古直到永远，因为智慧、能力都属乎他。Daniel prit la parole et dit « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. » Et c'est ce qu'il a dit au sein de sa prière. Et ce que l'on a lu tout à l'heure, c'est ce qu'il a dit devant le roi. Et à partir de cela, on peut tirer une conclusion. 在神在人的面前, 他都是极其谦卑的。 Aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes, il était humble. 没有要去炫耀自己。 Il ne voulait pas se montrer lui-même. 这是我们要去学习的一门功课。 Et donc, c'est un exercice que nous aussi, nous devons apprendre. 因为神给他的智慧啊, 那周遭的人一定会知道的。 Car si Dieu lui a donné cette sagesse, autour de lui, les hommes le savaient. 虽然处在这样的一个环境当中, 他是你发现到说他的心态在神跟人的面前都是对的,都是好的。 Et même dans un tel environnement, on voit que son état d'esprit vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes était bon et correct. 这个是我们要学习的一个好榜样。 Et donc c'est un bon exemple que l'on doit suivre. 好，我们来看21节。 Lisons maintenant le verset 21. 他改变时候，日期废王立王将智慧赐予智慧人，将知识赐予聪明人。 À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse les rois et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. 我们对这一节呢，我们说前半段我们可以了解，比较容易了解。 Et donc par rapport à ce passage, on comprend plus facilement la première partie. 热期啊，时间啊，都是神所定的。 C'est-à-dire que c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. 那要立王废王，这个都是在神的掌握当中。 Et donc, c'est lui qui renverse les rois et qui établit les rois. 那后半段呢？为什么他说要将智慧赐予智慧人，而将知识赐予聪明人呢？ Mais dans la deuxième partie, pourquoi dit-il qu'il donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence ? 那我们可能会说，难道那些比较不聪明的人就不会从神那里得到智慧吗？ Et donc dans ce cas-là, est-ce que cela signifie que ceux qui sont moins intelligents ne pourront pas obtenir de la sagesse de Dieu ? 好，那如果我们从箴言书的角度来去明白的话。 Mais si on regarde les choses du point de vue des proverbes, 我们知道说这个智慧，智慧人就是敬畏神的人呢。 Nous savons que celui qui est sage, c'est celui qui craint Dieu. 那聪明人也是敬畏神的人。 Et celui qui est intelligent, c'est aussi celui qui craint Dieu. 所以人真正要从神得到智慧的话，要学习敬畏神。 Et donc, si l'homme veut réellement obtenir de la sagesse de Dieu, alors il doit premièrement craindre Dieu. 那神很愿意把这些他的旨意啊，他的奥秘来向我们显明。 Car Dieu veut réellement manifester ses mystères à nous. 所以呢，他在他的祷告当中啊，就让我们知道说，他虽然年纪很小，他其实也领悟到了这一点。 Donc, à travers sa prière, même s'il était très jeune, on voit qu'il a pu comprendre cela. Et donc, il a compris que si Dieu lui avait donné toute cette sagesse, c'était de pouvoir expliquer les rêves au roi. 是你把这些事情告诉我的。 Car c'est toi, Dieu, qui m'a fait part de tout cela. 那我们想说，为什么他要这样来祷告呢？
Et on peut se demander pourquoi il a prié de cette manière. 我们一般上是说, 如果得到智慧, 我们就说, 感谢主啊, 真的感谢主, 我们可能就起来, 就走了。 Et donc la plupart d'entre nous, si on a de la sagesse, on se dit, rendons grâce à Dieu, maintenant je vais juste partir. 但是在这里让我们发现到说,一个得到智慧的人哦, 他所要做的事情是什么? Et mais ici, on voit que ce que doit accomplir une personne qui a obtenu la sagesse. 就是说他在神的面前应该有怎么样的一个反应? Et donc, quelle est la réaction qu'il doit avoir vis-à-vis de Dieu? 首先要从打从心里讲明说，这一些智慧是神给的。 Premièrement, de son cœur, il doit reconnaître que toute cette sagesse vient de Dieu. 那神把这些智慧赐给我是为了什么理由？他非常的清楚。 Et donc, il était très clair sur ce que pourquoi Dieu lui avait donné cette sagesse. 那其实他在这个祷告当中是要，当然是让我们这些后人知道说得智慧之后的应该拥有的心态是怎么样的。 Et donc, à travers cette prière, il veut nous faire part de l'état d'esprit que l'on doit avoir une fois qu'on a obtenu cette sagesse. 这样我们说才不会为得了智慧而变成骄傲而跌倒。 Ainsi, on peut comprendre qu'en ayant obtenu de cette sagesse, on ne tombera pas, on ne chutera pas par orgueil. 好，感谢主哦。我想说那个第三、第四段。 我们两个星期后再来讲。 Et donc, je rends grâce à Dieu, on partagera ensemble dans 2 semaines la troisième partie et la